Alors, j'ai 42 ans, j'écris depuis une dizaine d'années maintenant, principalement des romans, des textes assez contemporains. J'aime écrire sur l'époque. Je suis né à Neuchâtel, j'ai fait toutes mes classes, mes études à Neuchâtel, puis ensuite j'ai déménagé à Lausanne et je suis actuellement en Valais, disons entre Lausanne et le Valais. Alors, Septembre éternel est un roman très contemporain qui parle de la France d'aujourd'hui. Hein, il s'agit d'un libraire qui vend sa librairie, hein, qui décide d'aller à Paris pour signer les contrats et qui, au lieu de prendre l'autoroute, décide de prendre les petits chemins de campagne. Et c'est le prétexte finalement pour moi de le faire voyager dans cette France un petit peu périphérique. Et puis c'est aussi l'occasion pour mon héros, pour mon personnage, à partir du moment où il part en retraite, de revenir sur sa vie d'abord professionnelle et sa vie personnelle. La matière première de l'écrivain, c'est l'être humain, toujours. Et donc je pense que le processus d'écriture, c'est un processus de découverte des autres et de soi-même, processus qui prend une vie.